Et salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle édition de Cubic, votre émission transfrontalière tout en musique. Willkommen bei uns, jetzt geht's wieder los mit einer neuen Ausgabe voller Musik. Aujourd'hui, parmi nous, Replay, 5 musiciens qui nous emmènent dans leur univers pop, rock, fusion et funk. Sie sind zu 5 und ihr Repertoire liegt zwischen pop, rock, fusion und funk, faisant la connaissance de la douce chanteuse Emma. Hallo Emma, stell uns doch kurz dein Band vor. Présente-nous ton groupe, s'il te plaît. Bonjour, alors nous avons Greg à la guitare, donc, qui est l'instigateur du groupe. Donc nous avons Pascal à la batterie, donc le doyen du groupe. Ensuite, nous avons Olivier à la basse. Et pour finir, Raph au clavier. Voilà. Très bien, parle-nous maintenant de votre répertoire. Erzähl mir ein wenig über Ihre Musik. Alors, il est assez varié. Il va donc, on avait dit pop rock, mais on peut très bien avoir des petits accents de funk. On a des chansons reggae aussi. Donc, comme on a beaucoup d'influences, donc du coup, on passe un peu dans tous les styles. Ah, yeah, Esther Song heißt, donc votre premier titre aujourd'hui, quel est-il? Donc, il s'appelle Darkness. Darkness. Liebe Zuschauer, wir hören jetzt Replay mit Darkness. That I bound up behind a first don't change your mind. But of me, there's no faith, no candy, I'm just a date. Yeah.
Yeah, das war ein Replay. Ich gehe mal zum Greg. Je vais maintenant me diriger chez Greg. Enfin, salut. Salut. Ça va? Faut que je parle ici. Oui. Jeder Musiker hat einen anderen Job und verschiedene Einflüsse. Wie einigt ihr euch da auf eine gemeinsame Richtung? Alors, chaque membre du groupe a un job différent. Mais aussi des influences différentes. Tout à fait. Et comment est-ce qu'on arrive à mettre tout le monde d'accord pour une composition ? En fait, on ne cherche pas à se mettre d'accord. C'est peut-être ça qui fait que les compositions vont évoluer. J'arrive avec une idée. Souvent, ça se passe comme ça. J'arrive avec un riff de guitare. Emma va rebondir sur le riff de guitare. Par-dessus, Olivier va trouver quelque chose à mettre à la basse. Pascal va réagir. C'est lui qui fait les textes aussi ? Olivier, tout à fait, fait les textes aussi. Et souvent, à partir de vocalises d'Emma. Ce qui est quand même un challenge parce qu'elle a des notes et il réussit à mettre des mots sur ses notes. Et derrière, on a Raphaël qui vient pour enrober tout ça avec son clavier. Cool. Alors, quel est le prochain titre ? Le prochain titre, Was ist euer nächstes Lied ? Und sag uns bitte, worum es darin geht et de quoi ça parle aussi ? C'est Blown Away et en fait, ben, pour ce que ça parle, c'est un texte d'Olivier. Je peux plutôt parler de la musique. Oui, oui, oui. La musique, en fait, c'est le premier morceau qu'on a composé. On l'a composé il y a maintenant un an et demi. Il est parti d'un simple riff de guitare et très vite, ça a embrayé. C'est une des compositions les plus simples qu'on ait eues, c'est-à-dire qu'elle est venue d'elle-même. Il y a juste eu un moment, un petit habillage qu'on a voulu rajouter, surtout Raphaël. Et après, ben, ça, c'est parti. Et ça nous a permis d'ailleurs de participer à un concours. Parmi 20 participants, on a gagné un De le remporter, donc. Voilà. Et de pouvoir gagner un enregistrement dans un studio local. Ah, super. On en reparlera peut-être après avec Emma. Alors, Blown Away, oui. C'est ça. Liebe Zuschauer, jetzt hören wir Replay mit dem Lied Blown Away. Everything's blown away, but I'm crawling as far more, far. I'm a feeling that's a dog. We don't need a savior. Savior, I keep trying for me to shine to breathe. Let it go. Let go. Bye.
Emma, Gregory, Olivier, Pascal und Raphael, das waren Replay. Ich begrüße nun Emma bei mir. On se retrouve. Ihr seid 2 Jahre lang mit Coverversionen durch Kneipen getourt. Woher kam jetzt der Entschluss, eigene Lieder zu schreiben? Alors, vous avez passé 2 ans avec des reprises dans des bars en Lorraine. Et puis finalement, vous avez commencé à composer. Oui, ben, je pense qu'en fait, on avait besoin de composer, surtout lorsqu'on est 5 comme ça. Le fait de se mettre d'accord sur les reprises, ça a été une chose. Ok, on avait chacun nos influences. Mais après, c'est vrai que cette osmose-là au sein du groupe, on a envie de composer, de faire notre style, du replay. Vraiment sortir ce qui est au fond de nous, tout simplement. Und eure Texte sind eher düster. Woher kommt das? Vos textes sont plutôt sombres. Pourquoi ce parti pris? Alors, c'est pas un parti pris. C'est vrai que c'est venu naturellement aussi parce que souvent la créativité, la création, le fait de créer, ça vient des choses négatives qu'on a en nous. Peut-être qu'on a envie de les faire sortir. C'est un peu un exutoire à tous ces sentiments qui sont là au fond de nous, tout ce qu'on vit. Et nous, du coup, c'est la musique. Donc les paroles, la mélodie est parfois un peu sombre aussi. Mais ça peut, du coup, les petits accents pop peuvent un peu, égayer un peu tout ça. Oui. D'accord. Du singst meistens aus Englisch. Warum? Tu chantes majoritairement en anglais, pourquoi? Oui, c'est vrai que tout simplement, comme beaucoup de groupes, le fait de chanter en anglais, ça permet d'exprimer des choses plus facilement, on va dire. C'est vrai que d'écrire en français, c'est déjà se livrer encore plus, enfin se mettre à nu. On l'a quand même fait, on a un titre, même plusieurs. Franco-anglais? Voilà, franco-anglais, qu'on jouera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est plus facile l'anglais pour exprimer des choses et les textes en français, c'est plus difficile. D'accord. Ihr habt einen Wettbewerb gewonnen und dürft nun 2 Titel aufnehmen. Erzähl uns bitte mehr darüber. Vous avez gagné récemment un concours qui vous a permis d'enregistrer 2 titres. Parle-nous-en. Oui, c'est vrai que ça a été une expérience assez riche puisque sur une vingtaine de groupes, on a choisi 2 de nos compos. Donc déjà, c'est vrai que ça fait plaisir d'être choisi comme ça. Et puis l'expérience du studio, c'est très formateur parce que du coup, c'est très différent des répètes ou des shows qu'on peut donner des bars. Sûr, ouais. Voilà, là, c'est vraiment la rigueur, donner des émotions, mais en même temps être carré. C'est pas facile pour des amateurs comme nous, mais bon, ça a été un bon exercice. Vous aviez gagné sur combien d'artistes? 26 groupes, ouais, c'est ça, ouais. Super. Bevor du wieder singen gehst, wollte ich dich noch fragen, ob es einfach ist, sich unter vier Männer zu behaupten. Avant de se rejoindre ton groupe, bien évidemment, j'aimerais savoir comment ça se passe, si c'est facile de s'imposer facilement face à ces 4 hommes. C'est très très dur, je sens beaucoup de compassion dans tes yeux. Donc du coup, je suis obligée de me transformer en homme pour m'imposer. Donc ouais. Voilà, je deviens un des leurs et du coup, ça passe un peu mieux. Non mais ça se passe bien justement, c'est vrai que c'est un univers qui est assez masculin. Oui, on n'est pas habitué d'avoir tellement de femmes sur ce canapé. Je ne croise pas beaucoup de filles dans les bars, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est pas pour ça qu'on on doit pas s'imposer, faire de la musique. Donc ça va. Voilà.
Was hören wir nun als nächstes von euch? Qu'est-ce qu'on écoute de maintenant? Donc le morceau s'appelle Tout ira mieux. Donc un morceau positif. Oui, bien. Puisqu'on laisse entrevoir voilà, de beaux jours. Super, je te remercie beaucoup. Also, liebe Zuschauer, wir hören jetzt Replay mit dem Lied Tout ira bien. Mieux, tout ira mieux. Das war ein Replay. Alors, je retourne vers Greg. Avant de clôturer l'émission, j'aurais encore une dernière question. Was habt ihr für die Zukunft geplant? Was wollt ihr mit eurer Musik noch erreichen? Alors, qu'envisagez-vous de mettre en place pour le futur des projets? Pour le futur, déjà, faire de la scène. Continuer à se faire plaisir avec des compositions, surtout ça. Continuer à composer parce que j'ai l'impression que plus on compose, plus quelque chose se passe. Quelque chose se forme, c'est comme de la pâte à modeler, à force de... on finit par trouver quelque chose d'intéressant. Et puis on a des concerts prévus pour le mois de juin, pour la fête de la musique. Et éventuellement, on a un contact sur Falsbourg là, actuellement, un autre tremplin. Très bien, on vous souhaite une bonne continuation. Wir hoffen, dass ihr so weitermacht. Merci beaucoup. Merci à vous. La fin de notre émission approche. Aber ihr habt noch ein Lied für uns. Was hören wir jetzt, Emma? La fin de notre émission. Quel est le dernier morceau? La dernière chanson s'appelle Naïve. Très bien.
Merci à tous les partenaires de rendre cette émission possible. Wir bedanken die fünf Partner Sender, also wie Mosaik, TV8, TV Kristall, dem MKN und OKTV Südwestwald, weil, liebe Zuschauer, das war's für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Et on se quitte avec notre groupe invité. Zum Abschluss hören wir noch einmal den heutigen Gast, Replay, mit Naive. Everybody, salut! Put myself in chains, it was hard enough. I pissed off, I couldn't get free. I pressed the wall in vain, I didn't win my pain. I was got to do. With sunlight, at last I let tell of you. Now it's sunlight, it's sunlight. I'm here. To the fast and find the sun. So come on, follow me. Come on, follow me. When I feel you, I don't need a God. It was confusing days. It was da da da. I felt stuff I want to get through. They gave me bread and games to control my brain. Like I'm so sad, you know it's true. Now it's alright, it's alright. I'll jump off you. Now it's alright, it's alright. I'm here, I care my door. So come on, follow me. Come on, follow me. To the fast and from the sun. So come on, follow me. Come on, follow me. When I feel you, I don't need a guide. Follow me until the first one from the sun. So come on, follow me. Come on, follow me. Enough in you, don't need a gun. Now it's alright, it's alright. Right, at last, I will tell of you.